bonsoir à tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue aussi dans cette émission qu'on appelle Cause pour nous, parce que cet après-midi, ici même, ben, c'est la bourre à causer un petit peu. On va parler de musique, bien entendu, mais d'école de musique avec une école qui nous vient de l'ouest, de l'île de la Réunion. Et pour en parler, j'ai pas mal de personnes avec moi. On va commencer à ma droite avec Evelyne. Comment ça va, Evelyne? Très bien, merci beaucoup. Bien. Votre école s'appelle comment? E-A-I-O. E-A-I-O, ce qui veut dire ? École artistique intercommunale de l'Ouest. D'accord, d'accord. On va en parler tout à l'heure pendant cette émission-là, mais on n'est pas tout seul encore. Hein, il y a encore avec nous Tania. Comment ça va, Tania ? Elle est là ou même ? Elle est là. Tania, Raoult, dans l'école, où fait quoi ? Ben, moi, m'y mène deux chorales, m'y fait chanter, moi. Vous fait chanter ? Ben, deux chorales, une chorale enfant, une chorale adulte. D'accord. Et que, voilà, ben, il y a pas mal d'autres à chanter en harmonie, il nous fait des reprises, et puis nous travaillons sur les projets de l'école. D'accord, tout simplement. D'accord, d'accord. Hein. Et à côté, où nous n'avons d'allons à où hein, hein. Ah oui. Les autres deux, ils marchent un petit peu avec ça, non hein. Parce que quand un, il fait le son, l'autre, il fait la voix. Et des fois, de temps en temps, les autres deux, il fait la voix en même temps aussi. On fait gagner un problème, comme tu dis. Mais non, on parle de façon musicale, bien entendu. Voilà, c'est compris. Alors, c'est comment? Vincent. À moi, dans l'école, bah, du coup, m'y intervient en milieu scolaire. Donc, l'école aussi propose de la musique, et puis pas que de la musique, hein, parce que du coup, c'est une école qui est ouverte sur tous les arts. Mais moi, j'interviens pour les musiques actuelles. Et puis pour des percussions, donc avec des jeunes en collège. D'accord. Alors cette école-là, Evelyne, c'est une école qui vient de sortir de terre ou bien parce qu'il n'y a pas longtemps qu'on connaît ça, non? Il existe depuis combien de temps ça? Oh là, c'est un projet qui date de depuis 2013. Oui. En fait, c'est le TCO, le territoire de la côte ouest, hein, notre intercommunalité de l'ouest, que la confie à nous de mettre en œuvre la politique artistique sur le territoire. D'accord. Donc c'est comme ça que l'école ben, a vu le jour. Mais c'est vrai que depuis 2 ans, il commence à être un peu plus connu, nous va dire. Voilà. D'accord, d'accord. Et on a fait une relation tout à l'heure avec les musiques actuelles, puisque les musiques actuelles de la région, qui est aussi installée à Saint-Paul, c'est pas la même chose, non? Alors avec la région ou oui. Avec l'EMA? Avec l'EMA Saint-Leu. L'EMA. Bah, c'est un petit peu dans le même contexte. Après, je pense que l'école propose pas les mêmes dispositifs. Voilà, les musiques actuelles, c'est très large. Musique actuelle, c'est tout ce qui peut être autant dans le reggae, autant dans le métal, autant dans la pop. C'est assez large. Mmh. Et du coup, l'EMA propose tout ça, mais il n'y a pas de concurrence, il n'y a aucune concurrence, hein, madame la directrice, c'est ça? Non, bah, l'EMA est aussi un partenaire de l'école et intervient, enfin, en tout cas, les intervenants de l'EMA interviennent au sein de l'école. Et c'est vrai que dans l'école, on a vraiment 5 grands domaines. Il y a la musique, c'est sûr, mais il y a aussi la danse, surtout des danses urbaines, le hip-hop donc au sein de l'école. Mais il y a aussi de l'art visuel, donc de l'art plastique, du cinéma, et aussi du cirque et du théâtre. Donc on est vraiment sur vraiment plusieurs domaines. Une école artistique, on va dire. Tout à fait. Hein, ouais. Et cette école-là, c'est comment? C'est une école qui est installée dans des locaux, tout le monde peut venir, ou comment on fait pour accéder à cette école-là? Alors c'est là où on est une école différente des autres, c'est-à-dire qu'on travaille en réseau sur tout le territoire de la côte ouest. D'ailleurs, on est donc situé sur le port, la Possession, Saint-Paul, Saint-Leu et Trois-Bassins. Donc on a différents locaux sur l'ensemble du territoire. Et notre but à nous, c'est vraiment de rendre accessibles les activités artistiques à tout le monde, au plus grand nombre. Donc nous, ça va dans les quartiers et nous propose bah, toutes sortes d'activités. On a vraiment pas tous les goûts, hein, parce que les publics que nous accueillent, c'est à partir de 8 ans et jusqu'à 77 ans et voire plus, quoi. D'accord. C'est intergénérationnel aussi. D'accord. Parascolaire, voilà. Ou avec le scolaire? Avec le scolaire avec aussi. Le scolaire on aussi. Travaille vraiment avec toutes sortes de publics. Donc, en milieu scolaire, on travaille sur des projets d'éducation artistique et culturelle. Mm-hmm. Donc, des chorales. On a aussi pas mal de choses qui se font au niveau de l'art plastique aussi. On travaille avec des publics aussi porteurs de handicap. Ça, c'est important aussi pour l'école parce que, voilà, il faut permettre encore vraiment l'accessibilité au sens large du terme. D'accord, voilà. D'accord. Hein. Et comment on fait si on veut intégrer cette école-là? Il faut attendre dans la rue que l'école vienne solliciter les jeunes? Non, sinon, en fait... Il y a une action à faire. Alors, depuis la mi-juin, on a lancé notre campagne d'inscription. Donc, il faut aller sur www.eaio.re pour s'inscrire. Les inscriptions peuvent se faire en ligne ou sinon, vous appelez directement à l'EAIO et puis on vous fait votre inscription dans toutes les disciplines.
32 02 62 32 12 12. D'accord, voilà. D'accord. Et il y a donc des écoles au port, des écoles à Saint-Paul. Sur tout le territoire. Tout le territoire. Nous les partout. D'accord, d'accord, d'accord. Hein. Et pour donner un petit aperçu de ce que fait l'école, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va les laisser tous les deux, mais pas tout seul, hein, ici, parce qu'il y a quelqu'un qui va vous rejoindre. Il s'appelle comment ? Elle s'appelle comment ? Louane. Louane, hein, et avec Louane, vous allez faire un petit Sega endiablé, mais avec seulement le son d'un petit rouleur improvisé. Hein, le caron. Voilà, un caron. Hein, et puis après ta voix et la voix de. La voix de Louane. Voilà, voilà. Hein, et ben, le temps de partir, il y a Richard qui est en régie, le temps de classer tout ça, on revient tout de suite après. D'accord ? Bon. Hein, allez, c'est parti. Allez, à l'heure. Allons, allons. Hey, hey. Douce amie, ma peau écoute à où mon sang pour tourner. Hey, douce à où ma fée bouse à où si ton langue causée, ton langue la propté, les trop francisés. Viens loin, créole, dans le fond, pas toi. Malgaste envoyé, indien envoyé, Afrique loin même, bien loin même. Guyane nena, pompé sans mêlée, racine mélangée, wow, wow. Guyane nena, pompé race conillée, trop fine mélangée, wow, wow. Guyane nena. Guyane nena, pompé sans mêlée, racine mélangée, wow, wow. Guyane nena. Tout le temps où assise bonne prière, bon Dieu, les autres y assises ou les remontées. Aouti mama, il faut, aouti bat faut, si ton l'estomac, la misère, ça nous connaît pas, la poussière, la dent mis sa part, ça donne nous ton grand-père, ça t'es les autres, c'est notre chemin. N'a ça qu'il faut, si ou à route loin même. Ressources à où pour mieux retrouver à où. Moi, c'est un enfant créole, créole. Guyane nena, bon pé sans mêlée, racine mélangée, wow, wow. Guyane nena, bon pé race conillée, trop fine mélangée. Wow, wow, Guyane nena, bon pé sans mêlée, racine mélangée. Wow, wow, Guyane nena, bon pé race conillée, trop fine mélangée. Wow, wow, Guyane nena. Joli, joli, ça, tout ça, cadeau, cadeau. Joli, joli, ça, tout ça, cadeau, cadeau. Joli, joli, ça, tout ça, cadeau, cadeau. Oh oui, oh. Viens-toi, vite-moi. Viens-toi là, doucement. Viens-toi, vite-moi. Viens-toi là, quitte ta mère. Viens-toi, vite-moi. Viens-toi là, doucement. Viens-toi, enfant. À roule, roule, allez comme ça même. Ou devant la porte. Getty mama, getty baba la. Moi d'ouvrant la porte. Getty baba la. Moi d'ouvrant la porte. Getty mama la. Moi d'ouvrant la porte. Getty baba la. Y'a les lololilé. Wow, les gaillards. 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 Y'a les lololilé, 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 gaïa, 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 gaïa. Et
Eh bien, nous revoilà ici même, Bassin Labour, après cette chanson, ce maloyard un petit peu... Comment on pourrait dire ça, un maloyard un peu rustre ? Électro, un petit peu, voilà. C'est pas un traditionnel, vraiment. Mmh. Et donc, bah, du coup, j'ai composé ce titre-là avec Benjam. Mmh. L'idée de ce projet, justement, ça s'appelle Nos Voix, c'est vraiment d'intégrer... En fait, j'ai commencé ce projet à chanter moi-même mes compositions. Et puis après, avec Daoud, qui est aussi un ami et puis un collègue musique. Et puis, en fait, il m'a dit, vas-y, chante, chante. Et puis, finalement, on en est convenu. Enfin, j'en suis convenu que ça serait l'idéal que finalement, ça soit chanté par des professionnels. Que moi, je reste dans mon domaine et que ce soit des professionnels qui chantent. Donc, du coup, j'ai fait appel aussi à Tania Boristen, qui m'a fait l'honneur de, bah, d'accepter de chanter sur Bourgeon. Où il y a Davis Sicard aussi qui fait des chœurs. Donc voilà, donc c'est une invitation en fait à porter une parole. D'accord, ça ce que fait un petit peu l'école, parce que la relation avec l'école et des artistes comme vous, c'est que vous intervenez dans l'école pour enseigner aussi, parce que celle qu'on a vu chanter tout à l'heure, qui reviendra encore après, à la fin de l'émission avec nous ici, là, elle était à l'école, et puis après, et vous avez écrit la chanson un petit peu pour elle, en fait, presque pareil. Parce que, oui, on peut le concevoir comme ça. On peut l'adapter à d'autres voix. On peut le voir comme ça. Oui. On peut le voir comme ça, hein, d'accord. Alors, là, je vais aller voir Evelyne toujours pour parler un petit peu de l'école, après je reviens avec vous. Alors cette école là c'est quoi? C'est un faiseur de stars ou bien sinon c'est un apprenneur à chanter, hein? Vous avez compris ça bien, un apprenneur à chanter. comme je le disais tout à l'heure, le but c'est vraiment de rendre accessible la pratique artistique. Et après dans notre école, on a envie de donner aux enfants le goût. Le goût d'apprendre, le goût d'aimer, prendre confiance. Et du coup, on travaille avec effectivement des artistes locaux, de la scène locale, parce que nous avons envie aussi de défendre notre identité locale. Mm-hmm. Ce qui fait que ces enfants-là, ben, ils apprennent en cours, mais ce n'est pas qu'un apprentissage d'un instrument ou d'une chanson ou d'une danse. C'est aussi un apprentissage de la vie en quelque sorte. Mm-hmm. Donc, sur le projet Nos Voix, donc c'est le projet artistique de l'école, donc de cette année scolaire, qui va mailler la danse, la musique, le cirque, le théâtre, enfin toutes les disciplines, pour que les uns les autres y travaillent ensemble aussi. D'accord. Et c'est ça les formidables, mm-hmm. parce que ce projet-là, ben, c'est des petites scénettes de la vie de tous les jours, ils portent une parole de prise de conscience aussi sociale, parce que ces jeunes-là, c'est nos adultes de demain, et nous l'envie de donner à eux, ben, voilà, des valeurs. Hein, l'identité, voilà, la confiance en soi, la persévérance, parce qu'il n'est pas facile pour eux d'arriver sur un plateau comme ça et puis ben, d'aller sur un live comme ça. Et du coup, ben, voilà, c'est aussi l'école de la vie, voilà, le IO. On parle beaucoup de persévérance actuellement, hein, persévérance scolaire par exemple, hein, et persévérance dans un petit peu tout ce que l'on fait, notamment dans la musique comme ça, là, un projet des voix. Hein, donc c'est ça le titre de ce projet-là, hein, des voix. Tout à fait. Nos voix. Hein, un projet Nos Voix. Hein, Nos Voix. Hein. Et qui peut me dire un petit peu c'est quoi ce projet-là en détail? Ce projet-là, oui. Je pense que juste, vous voulez bien placer pour bien placer. C'est quoi ce projet, alors, hein? Bah alors, j'en ai parlé un petit peu. En fait, c'est des invitations à différents artistes pour porter un thème. Mm-hmm. Et il y a différents morceaux. Donc, c'est sorti en EP. Et, 5 titres. Voilà, il y a 5 titres et puis avec un titre caché, qui donc l'invité c'est avec Jean-Laurent Faubourg. On peut trouver Fabrice Legros comme invité, Tania Boristen, Davis Sicard, Daoud. Et voilà. Et après, j'ai continué à faire ce projet-là en fait. Moi, j'aime beaucoup le studio, donc du coup, étant donné que j'en faisais un petit peu moins à une période. Du coup, je me suis mis plus à composer. Mmh. Voilà. Et puis, il y a des personnes, il y a des personnalités, des artistes qui m'ont aidé à porter ce projet-là. Et du coup, ce projet avec le IO, c'est vraiment grandeur nature. Je ne le voyais pas vraiment sur scène. Et donc, du coup, c'est tous les jeunes. Il y a au moins une centaine de jeunes qui le portent. Mmh. Et l'idée, c'est que je suis un fan aussi de l'image par rapport au cinéma. Donc du coup, sur ce DVD, enfin sur cette EP, il y a en fait un DVD où il y a des clips, des petites histoires. C'est pas, voilà, avec très peu de moyens,
Mais du coup, on m'a aidé à filmer, j'ai filmé, j'ai mis en scène des personnes comme ça dans la rue que je voyais. Et puis finalement, je leur ai proposé le projet. Ils m'ont dit « Ah, super !» D'accord, d'accord. Hein. Donc, si je comprends bien, in fine, c'est faire en sorte d'avoir un CD, un album, une vidéo et puis faire connaître un petit peu toutes ces centaines de marmailles qui tournent autour voilà, de ce projet-là. Hein, c'est ça, hein, avec bien entendu de la musique. Hein. On va écouter, vous écouter encore chanter là, hein, avec une chanson que vous allez interpréter. Et quand j'ai écouté tout à l'heure à la répétition, j'avais l'impression, hein, je ne sais pas si tu as, que j'étais dans le début d'un dessin animé de Walt Disney, hein, avec, je ne sais pas moi, une invitation rare à voyager, c'est vrai, à aller battre carré, hein, à Disney selon ses versions créoles. Hein. Un petit peu comme la chanson de Pocahontas, hein, peut-être. Si, ça, ouais. Oui, donc, mis ça va, mis les autres, hein, et écoute bien la chanson, Marmaille, parce que, enfin, Marmaille, monsieur, madame, tout, c'est là, hein, parce que la chanson vaut le détour. Hein, et avec Zotte, Nena aussi, Louane qui revient. Oui, d'accord, Louane. Les bons, alors, allez, les parties, et après, nous revient dans un petit instant. Quand je regarde tourner le monde, j'aimerais respirer. La vérité est bien gardée sans nous l'avouer. T'inquiète, le jour se lève pour tous et nous éclaire. Sèche tes larmes, demain existe, faut s'en souvenir. Vas-y, faut danser et rythmer ta vie à tes propres pas. Faut pas oublier. Quand je regarde tous nos enfants, je veux espérer qu'un jour, peut-être, on comprendra que l'amour est roi. Même le peu à partager ferait l'unité. Tout renaît, mais n'oublions pas le temps présent. Hey. Vas-y, faut danser et rythmer ta vie à tes propres pas. Faut pas oublier. Hey. Vas-y, faut danser et rythmer ta vie à tes propres pas. Allez, viens danser, même si le cœur n'y est pas. Le jour est unique chaque jour, les jours passent, les énergies se mêlent, se démêlent comme par magie. Tout prend forme selon des normes conformes aux règles de la nature, qui par nature est pure sans fioriture. Nous changeons et négligeons ces bourgeons d'oxygène. Nos gènes sans gêne aiment jouer, modifier, sans se soucier que chaque souffle s'essouffle. Il est temps d'y penser pour que notre monde de demain soit plus humain. Vas-y, faut danser. Vas-y, faut danser. Allez, viens danser. Allez, viens danser. Vas-y, faut danser. Et oublier, ne pas oublier, non, non. Allez, viens danser. Hey, oubliez, vas-y, oubliez, faut danser. Oubliez et rythmer ta, oubliez ta propre pas. Faut pas oublier, faut oublier. Oubliez, vas-y, faut danser et rythmer ta vie à tes propres pas. Oubliez, faut pas oublier.
ben nous revoilà, on est toujours ici même, Bassin Labo, en compagnie de l'école artistique intercommunale de l'Est. Ça, tu peux mettre le micro devant la bouche quand tu me souffles, hein, c'est pas grave. Ben, elle connaît ça, tu ne connais pas grand-chose. École artistique intercommunale de l'Ouest. Voilà, exact. E-A-I-O. Voilà, voilà, voilà. Et puis là, il y a Luna qui nous a rejoint. Louane. Comment ça va, Louane? Ça va très bien. Ça va, et vous? Ça va bien. On t'a vu chanter tout à l'heure. Hein, tu es venue comme ça, mais tu étais de l'autre côté entre temps. Et tu chantes à l'école depuis combien de temps, hein? Ça va faire 5 ans maintenant. 5 ans? Hein, d'accord, alors, et tu as appris à chanter. Alors oui, oui, il y a une question, des fois on se demande, tout le monde, est-ce qu'on apprend à chanter ou bien sinon on est chanteuse? Tout le monde sait chanter, je pense. Après, ouais. Ça s'apprend. Ouais, mais peut-être ça, que... ça se travaille, ça en se fait. Travaille. Voilà, tout mais pourquoi moi, même si je travaille, je ne sais pas chanter? Donc je ne travaille pas assez, alors. est-ce que la chanson, ce n'est pas un don que l'on reçoit et puis après qu'il faut cultiver, bien entendu, hein, mais... Ben, écoute, c'est une question, en fin de compte, qu'on pose avant cette question. Moi, je me dis que tout le monde gagne chanter. Moi, je me dis, mais tu n'as pas chanté, ben, la voix, il saute. Mm-hmm. Si vous gagnez chanter. Ouais. Mais après, ça se travaille. C'est une question de patience, mais ça se travaille. Et après, mais connais qu'on veut dire là, parce que des fois, il dit que comme si on a le rythme dans la peau, et est-ce que les inné ou est-ce que... Ben, tout ouais. dépend, mais jusqu'à maintenant, ben, depuis mis en scène, elle a eu un petit peu de tout le monde. Et ça se travaille vraiment. Et quand on y est arrivé, c'est chouette. Je pense aussi qu'il y a des bons coachs. Tout le monde fait bien son travail, mais il y en a qui vont vraiment cibler d'une manière plus scénique. Et notamment, si je ne me trompe pas, hein, je pense que Tania, elle est là-dedans. Elle ne fait pas des chanteurs pour faire des chanteurs, juste pour chanter. Elle essaye de mettre en scène vraiment. Donc voilà, c'est la partie en plus, quoi. Mmh, d'accord, alors, ok. Être bien, voilà, dans voilà. sa voix. Ben, d'accord, ben, je vais essayer. C'est parce ça. Que, moi, j'essaye. Mais... Viens ou bien t'en as où. Luna. Ouais. Luana, excuse-moi, Luana. Mais tout à l'heure l'émission est finie, hein, mais arrivera pas. Voilà, en fin d'avoir 4 noms, voilà. Oui, il paraît que vous avez un projet à la fin de l'année, hein, un spectacle, une scène, hein, c'est quand ça? Le 22 novembre. Le 22 novembre. Alors, qu'est-ce qui va se passer le 22 novembre, hein? Alors, le 22 novembre, on va faire ben, le projet, le spectacle Nos Voix. Nos Voix. Vraiment, dans toute sa splendeur, c'est-à-dire qu'avec tout l'orchestre, les danseurs, comme Evelyne tout à l'heure, mm-hmm. j'allais dire Madame Maï, comme Evelyne a dit tout à l'heure, ben, en fin de compte, avec les musiciens, on est une centaine, voilà, sur scène, et on va le faire le dimanche 22 novembre. D'accord. Si au Théâtre date, de Saint-Gilles. Voilà, ça dit sous la date, forcément un endroit. Ah, oui, ouais, oui. Hein, voilà. Et nous invite tout le monde à venir passer ce grand moment avec nous, d'accord. tant attendu. D'accord, bien entendu, les billets seront en vente au théâtre plein air de Saint-Gilles. Hein, de Saint-Gilles, hein, et la billetterie va commencer un petit peu avant. Hein. D'accord, déjà en préparation, la pièce, tout est déjà calé, ou les répétitions se font encore de plus en plus. Alors, bah, ce qu'il y a, c'est qu'on a tous vécu le confinement. Donc, du coup, le spectacle, normalement, il devait être proposé le 20 juin. Et on a pu trouver donc une autre date pour le 22 novembre. Et on était presque prêts. Voilà, il y avait une résidence à faire. Mais du coup, on est encore dedans. On a fait les cours à distance avec l'école. Voilà, il y a encore toute une période vraiment de travail de septembre à novembre. Il y a beaucoup de choses à voir. Alors, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que dans ce spectacle, donc, il y a musique actuelle sur scène, il y a percussionniste, il y a de la danse, il y a de l'art plastique avec les cours de l'intervenant art plastique, un des intervenants. Donc, le public pourra venir faire quelques notations sur un tableau qui sera sur scène. Il y aura aussi donc il y aura des stars, il y aura Tania Boristein sur scène, il y aura Daoud aussi qui chantera 3 morceaux, il y aura Marie-Alice Sinamant qui sera elle dans le public et qui fera participer le public en fait. Et avec pareil, donc il y a toujours des intervenants mais il y a toujours des élèves, donc sur scène il y aura quelqu'un que Marie-Alice a coaché qui s'appelle Maya. Et voilà, donc elle a 13 ans. Et c'est elle qui va présenter le spectacle, elle va porter le spectacle, ce qui est tout nouveau pour elle aussi. Voilà. Maya, c'est celle qui chante dans le dernier clip là. Donc. C'est Eléa. Eléa. Hein, donc on va voir dans un petit instant. Hein. Alors avant de finir, parce qu'on arrive à la fin de cette émission là, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce spectacle là qu'on n'a pas dit? La date, on l'a dit, le lieu, on l'a dit, les billets, bien entendu, on l'a dit, le contenu.
du spectacle, on a dit, on a oublié quelque chose. Alors le contenu, bah, du coup, il y a 10 tableaux, enfin il y a 10 morceaux, et à chaque fois, il y aura un thème précis, donc il y aura la participation du public, il y aura un fond de cœur sur scène, avec des petites touches par des artistes sur scène, et après, il y a le titre vraiment par rapport au thème, que ça D'accord. peut être la, voilà, sur la famine, donc c'est pas, ce sont des choses, on pose des problèmes, et on essaye de trouver des solutions. Voilà, d'accord. Des okay. bonnes solutions sur. Très bien. De toute façon, on aura encore l'occasion de donner rendez-vous à tous les Réunionnais et Réunionnaises qui veulent absolument aller voir ce spectacle. On a encore un petit peu de temps puisque ça se passe en novembre. Hein. Et bien entendu, et moi je peux vous dire merci déjà de ce spectacle. Et merci d'être venu ici, Bassin Labou, hein, discuter de tout ça avec nous. Merci Evelyne. Hein. Merci et à merci vous. À vous, hein, les artistes. Hein, merci parce à vous. Merci d'avoir accueilli nous. Qu'est-ce qu'on ferait sans les artistes? Hein, il y a beaucoup de choses qui le n'auraient monde pas serait existé. Triste. Oui, voilà, voilà. On va finir avec une chanson, un clip qui a été tourné avec l'école. Tout hein, à fait. Aussi, ouais. Qui s'appelle avec, comment donc on m'a dit. On m'a dit. Et c'est justement l'atelier cinéma, donc un stage avec l'école artistique intercommunale de l'Ouest qui a fait cette réalisation donc de ce clip avec Guillaume Kondoki qui a été à l'œuvre. Pour nous faire ce joli clip. D'accord. Voilà. En tout cas, le clip a été en clip de la semaine sur Canal Austral il y a quelques temps de cela. Et merci. Encore chez nous, on fait profiter pour faire un petit coucou à Chantala qui a bien voulu nous faire passer le message et a permis que l'on soit ici aussi aujourd'hui, tout le monde super. Ensemble. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Cause pour nous, toujours sur Canal Austral. Yala, 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 yala
moi, ils battent pas, c'est en bois, mon camarade. Yala, yala, je me suis dit qu'un jour, je ferais le tour du monde. Yala, yala, yala. Moi, je me dis que je voudrais toujours apprendre à jouer. Yala, yala, yala. Mais qu'arrive-t-il à chaque fois? On découvre qu'il faut tout recommencer, qu'on s'est trompé.